On l'appelle déjà la tempête de neige du siècle. Tout South Park est pris dans un blizzard et les prévisions annoncent de nouvelles chutes de neige. Des accidents impliquant plusieurs voitures et des coupures de courant sont signalés dans toute la ville. Oh chérie, Dieu merci, tu vas bien. Maman, t'as vu comment il neige fort dehors? Oh oui chérie, c'est de pire en pire. Ah, ça va être un jour de neige? Ils vont annuler l'école, pas vrai? Ils ne l'ont pas encore dit. Cette énorme tempête ne fait qu'empirer. Je suis ici à l'étang de Stark qui est complètement gelé. Où un camion citerne vient de s'écraser dans la glace. On déplore plusieurs victimes. Cool, plusieurs victimes. Ils vont forcément annuler l'école, c'est sûr. Eric, c'est très grave. La situation ne fait que devenir encore plus horrible, Tom. La tempête ne semble pas s'apaiser. Et avec la neige qui s'accumule et les routes qui se couvrent de glace, nous nous préparons à une nuit catastrophique. Oh, trop bien, ils vont annuler l'école. Ils ont annulé l'école. Eric, retourne te coucher. Mais je suis pas obligée d'aller me coucher s'il n'y a pas d'école. On n'en sait rien, Eric. On le saura demain matin. Oh non, 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 non. Qui est, s'il vous plaît? S'il vous plaît, faites qu'il continue à neiger plus fort que jamais, s'il vous plaît, Dieu. Juste cette fois. Dieu, fais pas ta pute. Stabilise au moins 20 morts, Tom. On signale des conduites d'eau gelée et même des corps gelés, tandis que la tempête fait rage. Ils ont annulé l'école. Eric, c'est horrible. Les autorités préviennent que même les premiers secours resteront chez eux aujourd'hui. Les routes sont complètement bloquées. Il n'y a plus de papier toilette nulle part. Et l'école alors? Cela ressemble vraiment à la fin des temps. Je vous en prie, soyez prudents surtout. Putain, tu déconnes. Oh, et nous apprenons que toutes les écoles du comté de Park sont fermées pour la journée. Ouais! Y'a pas d'école! C'est un jour de neige! Y'a pas d'école! En plus, maman, je reviens dans quelques heures, prépare mon brunch! Où vas-tu comme ça? Je vais dehors jouer avec mes amis. Je ne pense pas que ce soit très sûr, trésor. Maman, c'est un jour de neige, le jour le plus magique dans la vie d'un jeune enfant. Thank you.
surtout, sois très prudent, chérie. Passe un bon moment avec tes amis. Bonjour, monseigneur. C'est moi, le grand sorcier. On a beaucoup de batailles à livrer. Au fait, depuis ta dernière partie, on a dû réécrire les règles et repartir à zéro. Parce que quelqu'un est devenu trop balèze. Tu dois aller à l'école et parler au gardien des règles. Nouveau, viens me retrouver sur le toit, il faut qu'on termine ton entraînement. Ah, bordel, c'est vraiment tombé fort hier soir. Le sorcier dit que le papier toilette est plus précieux que l'or en ce moment. Récupère-en le nouveau! Le nouveau, tu peux utiliser ce papier toilette comme de l'argent. Utilise-le pour acheter une arme! J'arrive pas à y croire! Je suis pris dans le putain de blizzard du siècle et c'est moi qui parle du vieil bordel! C'est quand même pas de ma faute si toute cette merde est tombée dans la nuit! Maintenant, va te trouver une arme. J'ai des armes de qualité à vendre. T'es armé maintenant, le nouveau. Maintenant, bute ces bonhommes de neige pour montrer que t'es prêt à combattre. Tout cool, le nouveau. Très bien. Maintenant, continue à avancer pour obtenir ta première carte de pouvoir. Hé, le nouveau, viens là. Les armes, c'est sympa, le nouveau. Mais dans ce jeu, tu dois aussi apprendre à utiliser des cartes. Chaque carte t'offre une nouvelle compétence. Et voici la première. Considère que cette carte est ton permis de péter. Fous les fins, le nouveau.
C'est super. Essaie de péter pour grimper sur cette crête-là. Tu peux utiliser ton nouveau... Superbe paix, monseigneur. Entrez donc dans l'école. Viens me retrouver sur le toit, de nouveau. Je sais que toute cette neige surexcite vraiment les enfants, mon voyez. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'étudier, d'accord, mon voyez. Enfants elfes là-haut, va leur péter la gueule. N'oublie pas, les humains détestent les elfes. Mets-leur quelques claques dans la figure. Eh oh, attendez les gars. Le nouveau sait pas encore comment esquiver. T'as compris? Ok, c'est reparti. Oh là là, je t'ai vraiment mis une raclée à cette fin, c'était vraiment une chouette esquive. Non. Ouais, bute-le le nouveau. Ouais, dégomme ses ailes. Cool. Celui-là, tu l'as carrément touché en pleine gueule. C'était mortel. Attention, des elfes. Prends ton arc et massacre-les, le nouveau. D'autres elfes, utilise ton arc pour les attaquer de loin. Les gars, vous avez collecté des ressources, acquis des compétences en maniement d'armes et appris à gérer vos cartes. L'heure est venue de passer une dernière épreuve. Vous vouliez me voir? C'est qui ce gamin? Isou? Pas encore. Il doit passer une dernière épreuve. Ok, le nouveau. Batte-lui le cul. Quoi? Ah! Allez, allez, le nouveau. Batte-le cul à ce putain d'elfe. Cet elfe est dans l'équipe ennemie. Tue-le! Comment te soigner ?
carte te permettra de te soigner. Ce pouvoir de soin te remettra sur pied. Fantastique! Une dernière chose, tu dois devenir enragé pour pouvoir utiliser tes pouvoirs. Affliger et subir des dégâts fera augmenter ta rage. Si t'es pas assez enragé pour utiliser tes pouvoirs, continue à cogner sur tes ennemis. Si t'as des ennuis, nouveau. Bye bye. J'ai une amélioration pour toi, Lungo. Je suis le barde itinérant de la destinée. Je serai dans les parages pour améliorer un de tes pouvoirs ou une de tes armes après un combat. Ces cartes améliorent tes armes et tes pouvoirs. Choisis-en une. Choix le nouveau, on dirait que tu peux l'essayer dans cette embuscade. Sont distribuées au hasard, mais entre nous, je peux les redistribuer en échange d'un peu de PQ. Essaye! Toutes les améliorations se valent pas. C'est pour ça qu'on a établi un système de rareté qui t'indique leur puissance. Plus la carte est rare, plus elle est puissante. Les cartes rares t'aideront vraiment à botter le cul de tes ennemis. C'est le gardien des règles qui dicte la rareté des cartes. Mais en échange d'un peu de PQ, moi je peux les rendre plus puissantes. Cette histoire de PQ pour toi, compris? Fantastique! Tous tes pouvoirs sont prêts, pète-leur la gueule! Oh, je les vois! Wow! Ça fait beaucoup d'ailes! Ah, trop violent!
Hey, le nouveau, ces autres nouveaux vont être des humains aussi, ok? Ok, c'est bon, vous pouvez retourner vous mettre des baffes maintenant. Ils ont joué une carte à... À toi de jouer, le nouveau. Oh, oh, quelle superbe bataille. Entre au dojo maintenant. Ok, le petit nouveau. L'entraînement est terminé. Tu les as bien éclatés. Maintenant, tu peux aller jouer avec tes amis. Tu peux voir, on a dû modifier le jeu parce qu'un connard qu'on ne nommera pas a décidé de devenir tout puissant et de foutre en l'air le bâton de la vérité. Et ensuite, tout le monde voulait être tout puissant et plus personne mourait. Ensuite, on a joué au super-héros et devine quoi ? Cette même personne est encore devenue hyper balèze et a foutu la merde dans ceux-là aussi. À cause de cette putain de personne, on a dû ajouter un tas de putain de règles. Et une fois qu'on a écrit les règles, on s'est disputé à propos des règles. Et on est tous repartis en guerre. Tu vois ? Avec ce nouveau système de cartes, ta puissance dépend des cartes que t'as en main. Et t'en reçois que deux pour commencer. Comme ça, tu peux pas être craqué. Ce jeu est impossible à foutre en l'air. Mais je parie que t'y arriveras. Bien sûr, même si techniquement t'es le roi, tu dois respecter les nouvelles règles. Parce qu'on est en Amérique. Tu es maintenant le roi de deux cartes. Félicitations. Écoute, Clyde a entendu dire que les elfes se préparent à lancer une attaque géante sur notre royaume. Leurs forces ont été vues près de l'étang de Stark. Faut les éliminer. Avant qu'il nous bute. Hé, le nouveau, cette mission sera dangereuse. Du coup, je te mets dans une équipe avec d'autres nouveaux qui viennent d'arriver aussi. Mais n'oublie jamais que c'est toi le vrai nouveau. Les autres nouveaux vont travailler pour toi parce que toi, t'es celui qui compte, compris ? T'es le boss. Je vais tous vous donner des numéros. Au hasard, c'est pas important. Mais il est possible que je te donne pas le numéro 1. Mais sache que t'es toujours le meilleur nouveau pour moi. Le plus important. Même si t'es le numéro 4. Bonne chance. Ok, le nouveau. Maintenant que tu sais comment jouer, t'as plus aucune excuse si t'enfreins les règles. Allez, gamin. Jamais tu pourras prendre une flèche à ma place si tu sais même pas où est la bataille. Viens me retrouver à Koopa Keep. Choisir ta mission sur la carte et me dire quand tu seras prêt à partir au front. Si tu veux rejoindre la partie d'un autre joueur, tu peux totalement te contenter d'être un suiveur.
ici si t'as vraiment besoin de renfort. Je ferai appel à quelques gars au hasard si t'as pas de copains dans les parages. Dans tous les cas, tu peux retourner à la table de guerre dès que t'es prêt. Tu peux aussi modifier la difficulté ici? Excellent! Franchis le portail pour te lancer dans ta mission! Hé, hey, j'ai entendu dire que tu voulais essayer du nouveau matériel. Ben moi j'ai toutes les armes que tu cherches! Entre dans l'armurerie, je suis sûr que j'ai au moins une nouvelle chose à te montrer avant que tu n'ailles te battre. Hé, t'as besoin d'une arme? J'ai une arme à distance à te faire essayer. Tu peux revenir quand tu veux, si tu changes d'avis ou si tu veux essayer autre chose. Hé, hey, t'es ici aujourd'hui de nouveau? Il faudrait pas que tu travailles un poids supplémentaire pendant la bataille. Va faire un tour aux toilettes mobiles. Les elfes druides, dirigés par ce fourbe de Audruif Kyle, prépare une attaque contre les humains. Le grand sorcier a ordonné une attaque préventive contre leurs forces de sales druifs. Kyle ! Cartman, c'est qui ces connards ? C'est mon armée secrète. On vous attaque avant que vous attaquiez. De quoi tu parles ? Mes espions ont vu ton armée se préparer pour la bataille. Tes espions? Mais de quoi tu parles, bordel? Ouais, tes espions, Kyle. Tes espions qui les préparent à la t'es bataille. Sérieux? Rappelez-vous, aucun combat n'est autorisé pendant le jugement à la con. C'est une terre sacrée. Ouais, bouge ton cul, bâtard. Ok, chaque joueur pose une carte à la con pour qu'on se mette tous d'accord sur les règles avant la bataille. En tant que gardien des règles, j'ai l'honneur de présider ce jugement à la con. Je sais pas ce qui t'a pris de te retourner contre nous, Cartman, mais on va t'en mettre plein la gueule. Vous avez aucune chance, connard d'elfe. Tu nous fais passer pour des lopettes. Mec, pioche une carte. C'est le moment de voir ce que valent vos cartes, les gars. Matcha.
prêt, bordel! Et une amélioration pour nos doubles poignards! Quoi? C'est pas possible! Viens, on t'attend! Affliction explosive! Immortalité elfe! Froid hivernal! Rien à foutre! Notre jugement est maintenant terminé. Maintenant, allez vous foutre sur la gueule! J'ai préparé un classeur dans lequel tu peux suivre toutes les cartes à la con et les améliorations qui sont utilisées dans le jeu. Kyle croit que je sais pas qu'il prépare quelque chose? Je vais apprendre à ce sale petit druif de pas chercher d'emmerde au grand sorcier! Thank you.